Zami internautes de partout, une autre salutation, une autre bonjour, une autre bonsoir, dépendamment de l'heure où vous suivez rubrique ça, ou sous Bladi Infosport, mon capote pour aller Anzo Cristo. Nous venons parler de Milan AC. Milan AC sacré champion en Italie, saison 2021-2022. Qui va monter dans le tour? Milan AC, dans l'histoire, gros équipe dans le passé, 63. Le bois pour la Ligue des Champions. Milan AC, c'est la troisième équipe qui est champion de Ligue des Champions. Ce n'est pas équipe qui prend la troisième édition, non? Parce que la troisième édition en Serie A qui prend en 58. Mais Milan AC, c'est la troisième équipe qui est champion de Ligue des Champions. Parce que 5 premiers au Real prend, 6e, 7e dans Benfica après, et puis Milan AC prend 8e. C'est la troisième équipe qui prend la Ligue des Champions. Milan AC, c'est la deuxième équipe qui est titrée en Ligue des Champions. Milan AC, habitué à bailler 3 joueurs sur le podium Ballon d'Or déjà. En 89, yo bay Frank Cashcat, Van Basten, Franco Baresi. Ça, l'Allemagne fait ça lui-même n'importe deux fois. Il fait le 81 avec Ben Schuster, avec Karl-Heinz Rummenigge, avec Paul Breitner. Il fait le 72 avec Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Günter Rieder. Trois joueurs en équipe sur le Ballon d'Or, Milan fait partie de monde qui fait. Barcelone fait le tour 2010, Messi Xavi. Iniesta. La première des bigotes, c'est Joseph Salaguadula qui remet le ballon dans ça parce que c'était trois jeunes. Eh bien, je dis à la mec que ça vient de dire de Milan AC. Fait histoire Milan AC, la prend paquet. D'ailleurs, dans cette première édition, Calcio, Milan AC champion la donne. Genoa était pour paquet dans nous. Parce que Genoa, dans la décennie 1900-1910, c'est une grosse équipe en Italie. Genoa, par exemple, c'est un bagage de football, je dis à la. Mais dans la décennie 1900-1900, Genoa est une grosse équipe. Milan, c'était parmi l'équipe qui te prend parmi 6 premières éditions en Italie. C'est la deuxième équipe qui est champion championnat d'Italie. Il n'y a pas de deuxième édition, non, encore une fois. C'est la deuxième équipe qui est champion. Et bien, mais qui ça nous beauté pour aujourd'hui là? Et moi, avant que je le faire, même quand je regarde même, nous tous net, nous allons dire selon nous-mêmes, qui 5 joueurs qui étaient plus importants dans le 19e sacre Milan ACA. La charité bien ordonnée commence par soi-même, m'a commencé. Mon qui était plus important dans titre Milan AC, pour moi-même, par ordre de valeur, numéro 1, pour moi-même, c'est Rafael Leao. Pour qui ça? Comme il buteur équipe là avec 11 goals, 8 passes décisives, important dans tout le match. La preuve est que c'était le meilleur joueur championnat même. Deuxième monde qui était plus important dans titre pour Milan AC, selon moi-même, Mike Maignan. L'autre équipe champion, ce n'est pas attaque ou poto. Ces défenses-là, mais gardien joue un gros rôle. Parce que grand pile monde qui croit si Pepe était plus important dans la Coupe d'Europe Portugal là en 2016. Troisième monde qui était plus important dans le titre ça, pour Milan, c'est selon moi-même, c'est Olivier Giroud. Monsieur, ben, on paquet de gros matchs, dont Lazio, Naples, Inter de Milan. Parce que l'Inter était 1-0, championnat était presque fini. Troisième monde pour moi-même, c'est Olivier Giroud. Quatrième monde, c'est Sandro Tonali, à quelque chose de malheur. Bon, départ à Cananoglu, utile, monsieur. Il permet de émerger, puis bien. Cinquième monde qui était plus important dans sac Milan ACA, c'était Franck Kessier. Pas jugé par moi, fait pour là. N'attendez ni dans commentaires sur YouTube, n'attendez ni sur différentes plateformes électroniques. 5 joueurs Milan qui étaient plus importants dans 19e sac en Italie. C'était Enzo Cristo ou sous Bladi Infosport. À bientôt.